Ministre Kiltia et Communication, Jean-Michel Lapin, avec directeur de l'École nationale des arts, Philippe Dodard, réalisé lundi 22 octobre 2018 la cérémonie pose premier pied dans le cadre de construction et établissement. D'après Philippe Dodard, directeur général ENATLA, ancien bâtiment ENATLA décrété patrimoine matériel. Philippe Dodard a poursuivre pour le faire connaître un nouveau coût qui pourra ajouter dans Kisis l'école là, tant que restauration, design, à la conservation ZEV. Saïd Antoine et Lydie Dieudonné en suivent. Budget d'investissement que nous avons à disposition, parce que c'est ça l'État est capable de nous pour commencer. Mais ça qui est important, c'est le premier pas. Okay? Donc, nous avons 10 millions de gouttes dans l'exercice 2017-2018 là, que nous récits débloqués juste avant fin année fiscale là. Juste à fin septembre, parce qu'on était un vide gouvernemental, donc démarche était difficile. Et c'est grâce à ça que nous sommes capables de commencer avec la première phase plan global. Là. Mais il faut me dire tout que la firme FEF Construction Plus est vraiment de bonne foi parce qu'ils offrent nos études, première phase, ça, gratuitement. Qui fait que nous ne pas dépenser dans le fonds d'investissement pour nous faire première étude. Donc, il y a une étude qui vous fait toujours pour que nous gagnions ça au plan global. Donc, il y a des discussions avec les étudiants qui disent, mais côté plan global net là, et bien, le plan global là, qui a l'étude toujours. Mais en attendant que toute étude soit finie, je pense que commencer dans la première phase, c'est déjà au premier pas pour que nous ne perdions pas du temps. Parce que on a perdu trop de temps déjà, je suis capable de dire déjà plus de début 1983 à nos jours. Ça fait presque 40 ans. Donc, qu'on y a l'île pour ENAS avancer. Toute addition, yo, okay, à part le building patrimonial, là, qui c'était ça, qui était base École nationale des arts, avant de tourner, enfin, qui était base École des beaux-arts, okay, qui était les fonderies nationales, ça, c'est pas un building ouais, qui est très ancien, qui est patrimonial, nous pas moyen, nous pas fait réaménagement là-dedans. Mais qu'on y a l'autre addition, ça, yo, qui était construit à la va-vite. Ok, qui même pas répondre à des normes pour y recorder, tout ça pas écrasé et pour refait. Nous avons demandé pour cours de design, donc nous voulons ajouter, nous allons ajouter au cours de restauration et de conservation d'œuvres d'art, parce que nous sommes pays d'histoire. Et donc on soit pays d'histoire que qu'on y a tout patrimoine ça a besoin restaurer, besoin que mettre en valeur. Jusqu'à présent après on a des statues qui dans la rue ou bien des canons qui en battaient, etc. Des forts qui vont les restaurer. Donc nous prévoit des cours de formation en restauration et conservation de patrimoine.